Tu as lancé, maman? Oui. Ah. Aujourd'hui, c'est spécial vaccination. Donc, bébé Julie est déjà habillée, toute belle avec sa robe. On a mis un pull au-dessus parce qu'il fait un peu froid. Avec le joli petit chapeau, on va à la vaccination. Bon, ça là, c'est sa maman qui a pété le sac. Si vous me regardez, maman de bébé Julie me regarde. On va à la vaccination, hein. C'est comme si on voyageait. Il y a la couverture, bon, ça c'est bien, s'il pleut, lingette, le lait des biberons, l'eau, l'Efferalgan pédiatrique, parce que c'est sûr qu'elle va chauffer, le carnet, ok, le thermomètre. Voilà un truc qu'on a déjà trop acheté dans les hôpitaux. Voilà, thermomètre. Ouf. Bref, la vaccination, c'est une logistique importante. Surtout qu'aujourd'hui, bébé Julie va bien pleurer. Donc, c'est une journée difficile. On va passer une nuit blanche parce qu'après chaque vaccin, bébé chauffe, bébé pleure et papa et maman doivent chérir bébé. Voilà, bon, allez. Oh, bébé, c'est pas chérie, on part. Allez, maman, on coupe et on s'en va à la vaccination. Ouais. Arrivé à l'hôpital pour la vaccination de bébé Julie. Il y a déjà les collègues de bébé Julie qui pleurent là-bas. Le vaccin, c'est comme ça que ça va finir. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de papas à la vaccination. Donc les mamans ne sont plus seules. Les papas sont à l'enfant avec les mamans. C'est pour bloquer les pleurs après le vaccin. Mais il faut que ça soit prêt. La chorale, la chorale, la chorale. On le feu maintenant d'abord. Après c'est mal. On met à côté. C'est l'heure du vaccin. Papa t'a dit que le vaccin, ça peut former des anticorps qui vont bagarrer contre les maladies. Hein, le bébé? Oui. Elle a retiré le carton là. Ne posez pas si vous attendez qu'elle vienne prendre. Asia, nounou. Asia, le bébé. Asia, nounou. Les enfants qui naissent ici pleurent avec les gens. Oh, c'est pas possible. Voilà, c'est terminé pour la vaccination. Bébé Julie n'a pas trop pleuré. Maintenant, on va à la maison. Allez, prochain rendez-vous dans un mois.